C'est parti, bienvenue dans la Cubi Team. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo qui continue l'exploration et la dernière partie d'exploration de la maison Beneviento avec cette petite saloperie de poupée. Là où je récupère la vidéo, c'est en fait tout simplement juste après, quand je continue d'explorer le pseudo cadavre poupée de Mia. Et on se retrouve juste après l'exploration donc de la boîte à musique, après avoir retrouvé la petite pince qui va nous aider à découvrir les secrets du cadavre de Mia. On y va. Allez, c'est reparti. Moi, de mon côté, j'étais sur la boîte à musique donc, que je viens de terminer. J'ai fait un petit peu le tour avant de retourner à la salle où il y a les cadavres. Là, on voit qu'il y a un petit boîtier à ouvrir. Ça veut dire qu'il manque une clé. Ici, il nous manque toujours le fameux film, et j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une liste. On va voir à quoi elle sert, cette petite liste, mais ça a l'air de correspondre aussi au nombre de films qu'il y a sur la droite. Allez, je me redirige ce coup-ci pour de vrai. Oh, ça me fait sursauter. J'aime pas trop l'ambiance flippante, ok. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de bras et de jambes là-haut. Ouais. Ok, donc là, dans la bouche, comme je vous disais dans la précédente vidéo, on avait vu qu'il y avait quelque chose à sortir de la bouche. Et il se trouve qu'il nous fallait un objet. La pince nous permet d'avoir le morceau de pellicule. Et il y a quelque chose qui se passe. Je peux pas le dire à Ethan. Ok, sympa, les petits secrets de famille, ça fait toujours plaisir. Apparemment, il y avait quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y avait un truc. Vous l'avez vu, vous pouvez remettre la vidéo, il y avait une ombre au fond du couloir. Donc, il y a une menace qui a l'air de se rapprocher sévèrement de nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on se débrouille de mettre ce petit morceau de pellicule avec les autres. Et quelque chose me dit qu'il faut le mettre. C'est peut-être pour ça qu'il y a une liste. Il faut les mettre dans l'ordre. Je vous retrouve donc quand j'aurai trouvé l'ordre. Là, vous pouvez cliquer sur la liste pour mettre pause, vérifier de votre côté. C'est le bon ordre, à mon avis. Je clique pour lancer le film. Et on découvre ensemble la suite de l'exploration. Alors, apparemment, c'est un sous-sol. Et on me montre un trou dans le sol avec une échelle. Ok, je sais pas où c'est ça par contre. C'est peut-être chez... avec un berceau, d'accord. C'est peut-être... soit c'est au village, un endroit qu'on n'a pas vu, soit c'est... soit c'est dans la maison en fait, c'est peut-être ici. À voir. Ok, péloche terminé. Ah, passage secret, d'accord, sympathique. Pourquoi pas. On y va tout de suite sur la... Ouais, alors ça les gars, non, faut plus faire ça. Là, les messieurs qui font Resident Evil, vous arrêtez de suite. Hein, le milliard de poupées, là, vous arrêtez de suite. Paire de ciseaux, c'est peut-être la seule façon qu'on aura de se défendre, puisqu'on n'a plus d'armes. Ouais. Il se trouve que je suis allé faire un tour pour rien dans les autres pièces, donc je reviens, j'ai repris l'enregistrement ici. En fait, il y avait des bandelettes tout simplement à couper pour avoir accès à la suite du sous-sol. Parfois je me prends trop la tête. Et j'oublie de voir les choses les plus simples. Et j'ai l'impression que... il y a un truc qui nous suit. Alors je fais le tour, deux secondes. C'est peut-être une erreur, mais... oh putain. C'était quoi ces ombres là? Putain, il y a de plus en plus de trucs qui se passent. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Voilà pourquoi je voulais pas continuer après. Parce que le bandage pouvait être coupé. Ah. Rose.
Bonne ambiance repas de famille quand on fait Noël ensemble, ça doit être sympa d'être avec ces gens. Surtout quand Mia est enceinte apparemment, parce que les enregistrements datent de là. Bon, ça se noircit, hein. On va pas se mentir, ça devient assez oppressant. C'est pour ça que je parle beaucoup, pour oublier la douleur. Donc on a trouvé un médaillon. On va... Voilà, maintenant j'y suis. C'est bon, je tente l'exploration de ce coin-là. Ça, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah rien. Alors ça, le médaillon... Ouais, non, c'est pas la forme qu'il a. Qui manque une sorte d'enfant. On dirait que c'est un enfant dans les bras d'une maman. Donc le médaillon qu'on a qui est tout rond, à mon avis, il va pas là, c'est clair. Ici, apparemment, on peut déverrouiller une pièce. Ok, donc après avoir fait le tour, on se rend compte que, eh ben, figurez-vous qu'il y a un endroit que j'ai pas exploré du tout depuis le début. C'est ce couloir très très glauque. Ce qui voudrait dire qu'il y a quelque chose à déverrouiller ici. Et ça correspondrait à ce que je viens de trouver. Voilà. Une petite énigme. Donc, comme vous avez pu voir juste au-dessus, il y a un médaillon. Donc, je vais reprendre l'enregistrement juste après pour l'énigme. Trouvé. Donc, maintenant qu'on est sûr de notre coup, ça correspond aux yeux fermés. Voilà, les trois yeux fermés. L'œil. Vous avez vu, il y avait un dessin dans l'œil de Mia au début. Ça correspondait au dessin en haut à gauche. Voilà. Ceux qui n'auraient pas trouvé, c'était ça la solution. Et ici on descend, ça correspond au mur qu'on a vu sur le petit film tout à l'heure, enregistré donc quand vous avez les bouts des pellicules dans le bon ordre. Ça voudrait. Voilà, c'est ça, le puits. Et normalement il y a un landau dans le coin, un petit berceau, pardon, qui devrait être. Ah ben voilà, il est là. Ah, il bouge tout seul, histoire de se faire plaisir avec l'ambiance flippette. Voilà, bon, on va descendre, hein. Petit bruit pas sympa. Oh là là, oh putain. Ok, donc quelque chose qui a pété le. Quelque chose qui a pété le berceau. Vous avez vu, j'ai trouvé quelque chose dans l'eau, c'était parfait. Ça me servira sûrement pour après. Bon, là on va remonter. D'ailleurs, ça servira sûrement pour l'ascenseur. On va remonter, mais les cris d'enfant, clairement, ça augure rien de bon. On doit s'approcher d'une phase de boss. Oh putain, c'était quoi ce truc par terre? Oh la vache. Ah, là, c'est chaud par contre. C'est chaud. Je trouve ça vraiment chaud. On est d'accord que c'est un. On dirait une fausse couche avec un cordon ombilical. Putain, c'est horrible. Oh mon. Oh non, 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 ça c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Avec les cris d'enfant et tout, putain. Et le machin, il te poursuit, mais il te poursuit. Putain, mais je me casse. Je me casse. Aidez-moi, les gars. Je sais pas ce que c'est. C'est un truc pourri qui est sorti de. Mais il me suit en plus. Putain, mais c'est gros. Oh putain. Ouais, non, mais d'accord. Un peu mal formé, le garçon. Tu sais quoi, à mon avis, tu peux pas le battre vu que t'as pas d'armes. On va se casser de là. Genre vite. Mais vite. On a
avis, nous avance dessus. Faut vite que je trouve la solution. Alors, normalement, c'est par là. Tout est passé dans le noir. Voilà, la petite clé, parfaite. Du tableau, on peut prendre l'ascenseur, super. Ah ! Putain, on peut pas prendre l'ascenseur, c'est de la merde. Je crois que j'ai trouvé le bout de statue qui manque. Tout à l'heure, on a vu une porte avec une maman. Je crois que c'est l'enfant que j'ai trouvé. C'est allé très très vite, donc j'ai essayé de voir sur la carte où c'est. Ok, donc c'est bon, j'ai trouvé. J'ai repris l'enregistrement ici. On va foncer dans les couloirs. Apparemment, je suis dans une pièce où il rentre pas, le truc. Ça a l'air d'être calme. On va prier très très fort, on va allumer des cierges, des bougies, tout. Oh, ça y était pas ça. Ouais, voilà, c'est là. Ouais, bah c'est ça, ça marche. Ah, des lumières. Oh, dans Resident Evil, bizarrement, ça fait plaisir quand tu as de la lumière. Hein, c'est un peu moins creepy, là. Du coup, on aime voir des cuisines moisies avec des ustensiles abandonnés. Voilà, on a repris un peu nos esprits, ça s'est calmé. En apparence, bien entendu. Une exploration de chambre à coucher. On dirait que là, on dirait qu'on est vraiment dans un endroit où... il y avait une chambre de parents, ou je sais pas ce que c'était l'histoire de ces gens, mais... Ah, les fusibles, parfait. Ah ouais, du coup, ça nous a mis dans le noir. Logique. Ouais, comme d'hab, c'est vide. Alors, si ça nous a mis dans le noir, ça veut dire que... peut-être que l'espèce de fœtus peut revenir. Ah, un truc, un objet. Se cacher. Pourquoi se cacher ? C'est pas pour échapper à la grosse merde qu'on a vue tout à l'heure. Espèce de fœtus là. Ça, c'est horrible. Il est horrible ce truc. Donc là, on est dans la chambre de la gamine. Apparemment, il y a des jeux, des têtes de poupées. On va pas. Ça fait rien. Donc pour l'instant, ça sert pas à grand chose de se cacher. On verra ce que ça donne. Juste après. Quand on y va, on se lance. De toute façon, faut retourner à l'ascenseur. J'ai les fusibles. Putain, c'est quoi ce bruit? Obligé de passer par un seul chemin. Et c'est à côté de cette table. Ça nous redonne sur le couloir normalement. Ouais, c'est ça. L'ascenseur est là-bas. Faut faire tout le tour quoi. Oh putain! Oh putain! Ouais, je me casse. Putain, je me casse. Je me casse, c'est par là. Donc on est d'accord que là, on tente le lit. On tente le cache-cache avec le bébé. Putain, c'est tellement creepy, c'est tellement flippant, les gars. J'avais moins peur avec les loups-garous, sérieux. C'était plus facile à gérer. Le truc qui débarque ou pas? Comment ça se passe? En fait, on est dans sa chambre, quoi. Cassos. Hop, je m'en vais, je cherche pas à voir s'il m'a vu. Je pense qu'il va revenir. Alors, autour de la cuisine, couloir, escalier pourri. Putain, il y a des traces de sang de partout, c'est vraiment immonde. Ouais, c'est ça, allez, on y va. C'est par là. Normalement, je prends par ici. De toute façon, j'ai pas le choix parce qu'il est assez obstrué. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse le grand tour. Et ouais, je suis obligé de prendre par le grand couloir. Donc ici, là, je reprends à droite. Genre. Non, pas là. Merde, je suis gouré. C'est à gauche maintenant, du coup, c'est là. La sortie. Ouais, c'est bon. Désolé, je m'étais fait un petit détour. Le fusible, donc. C'est bon. Il est déjà là, le machin? Ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Tout qui revient, au secours les gars, c'est chaud, j'aime pas ça, j'aime pas. Putain, attaque.
qui va m'attaquer le méchant. Alors si j'ai un noble au milieu, il devrait être obligé de faire le tour. Dégoûte. Bon allez, vite, on se casse. Il est vert. J'ouvre. On va dire que c'est gagné, non? Allez, c'est bon, ça. Allez. Oh. Oh. Bon, ben, je vais te laisser dans ta chambre, un petit gars, une petite fille, je sais pas qui c'est. C'était oppressant. Et la lumière. Je sais pas si vous venez de voir, mais la lumière a changé. Il y a une sorte de voile. Ah putain, d'accord. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur le... Allez, je crois que c'est le boss qui démarre. Ouais, on est dans le jus. C'est parti. C'est parti. Ne pars pas. Je te l'interdis. Toujours en vie, hein? Oh. Dépêche-toi! Ah, c'est chaud! Avant mes amis de te tuer! Tic-tac! Pourquoi tic-tac? Elle a dit trouve-moi, non? Essaie de me trouver! Ouais, c'est ça. Alors, comme on n'a pas d'armes, apparemment, c'est enfantin jusqu'au bout du boss final de cette maison. C'est donc, je pense, un cache-cache. C'est un peu l'angoisse, je vous cache pas que... Apparemment, elle a dit tic-tac, on aurait un chrono. Je vais faire le max, je vais explorer la maison. Elle devrait être par là, non? Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Tiens, mange pas ça. Bon, je vais explorer la maison, je récupère l'enregistrement juste après. Voir ce que ça donne. Bon voilà, je vous cache pas que j'ai galéré à tourner virer. La maison est pas très grande, mais je me suis fait... Je me suis fait des petites frayeurs. Pas de moyen de se soigner, c'est important de le préciser. C'est assez flippant, du coup on est dans le stress total. Je sais pas où il a coupé, je ne vois pas. Je crois que j'ai mis un peu trop de temps. Je me demande si ça va pas se retourner contre moi. On les voit qui tremblent en fait, qui commencent à s'exciter les poupées. Oh putain! Merde! Ok. Effectivement, elle te défonce. Elle te défonce si tu mets trop de temps. Bon ben on reprend l'exploration. Bon, mais j'ai toujours pas trouvé. Putain, j'ai du mal à regarder. Je sais pas où est la petite saloperie de poupée de merde là. Alors, le concept est sympa, mais c'est vrai que c'est chiant parce que du coup. Elle est là, la saloperie. Tiens, mange pas. Mange pas ça. Rose aussi, tu lui fais ça? Allez, on va dire que ça va être la troisième, la bonne. Elle est là, non? C'est pas elle qui est au milieu là? Non, j'ai aucun moyen, j'ai rien du tout. Elle est là. Il y a quand même un petit indice pour trouver le truc final. Allez, on y croit. Ça, c'est bon. Tu n'arriveras jamais à sortir d'ici! Et voilà, résolution du boss, et en fait c'est bien la fille qui contrôlait les poupées. Donc on a eu l'esprit revenant là de ce truc.
Je vais arranger les choses. Bon, super. Bon, ça veut dire qu'on a trouvé la... une des dernières clés. Okay. Ah, on a trouvé le bocal aussi, parfait. Il est temps de quitter cet endroit. Ça veut dire que la clé fœtus peut être combinée, je pense, aux clés que j'ai précédentes. Voilà, donc en tout cas, voilà, la maison des Beneviento, c'est terminé. On va se retrouver donc très vite pour le nouvel épisode de Resident Evil Village, qui sera donc le 12e épisode. Je suis assez content de faire cette aventure avec vous. C'était assez creepy. On va pas se le cacher, mais voilà, on va voir sur quelle étape ça enchaîne. Je crois que c'est Moreau le prochain. En tout cas, restez connectés et à très vite. Salut.